Abd al-Hafid Benchouk, directeur de la maison soufi, représentant Muqaddam de la voix soufi Naqshbandi et auteur du Langage du cœur, médité avec un maître soufi aux éditions Hachette. Le langage du cœur en islam et dans le soufisme particulièrement, puisque la voix soufi c'est la voix du cœur, c'est d'arriver à comprendre les gens, les êtres, le monde sans mots, ou plutôt en percevant ce qu'il y a derrière les mots. Et l'exemple qui nous est donné à travers, bien sûr, ceux qui sont plus proches de nous, les maîtres soufis, et bien sûr avant tout par le prophète de l'islam, c'est d'apprendre à rentrer au fond de soi pour découvrir le trésor qui est caché. Cette fameuse parole sainte qui dit « le ciel et la terre ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon serviteur fidèle, lui, peut me contenir. » C'est la présence divine qui parle. Imaginez, la présence divine dit que le ciel et la terre, qui sont immenses, ne peuvent me contenir, mais le cœur de celui qui est présent à la présence divine, lui peut contenir cette présence divine. Alors qu'est-ce que ce cœur? C'est une question qu'on peut se poser. C'est vers la réponse à cette question que nous avons essayé humblement de répondre à travers les méditations de certains versets coraniques, les méditations de certaines paroles du prophète, les méditations de paroles de maîtres soufis, de découvrir vraiment en quoi ce cœur est un trésor et en quoi la voie est ouverte pour aller chercher ce trésor.